entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce est de plus en plus proche. L'interview donnée par le Portugais dimanche à Piers Morgan a visiblement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les pensionnaires d'Old Trafford, qui veulent avoir deux attaquants lors des prochains mercato, auraient une cible XXL en tête. C'est en tout cas ce qu'affirme le Mirror. La publication anglaise assure qu'Eric Ten Hag et Manchester United ont fait de Kylian Mbappé une cible potentielle pour remplacer Cristiano Ronaldo. Les Mancuniens ont la puissance financière pour lui offrir un salaire hebdomadaire d'environ 572 000 euros, le même salaire que CR7, ainsi que diverses primes pour le motiver à signer tout en payant un transfert de plus de 171 millions d'euros à Paris. Mais difficile d'imaginer le PSG le laisser filer, encore moins à ce prix-là. Le joueur, qui a eu des envies de départ récemment, ne semble pas donner sa priorité à Manchester United. Mais les Anglais espèrent le convaincre. Une information à prendre malgré tout avec des pincettes, d'autant que Victor Osimhen, Naples, paraît être le joueur ciblé pour remplacer CR7. Après avoir atteint le point de non-retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo se cherche une porte de sortie. Certaines personnes au PSG seraient prêtes à lui ouvrir leurs bras, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. L'avenir de Cristiano Ronaldo est en train de s'écrire loin de Manchester United. Ses dernières déclarations à l'encontre du club, de l'entraîneur et même d'une partie du vestiaire ont mis le feu aux poudres. Le malaise est installé depuis la fin de saison dernière et la non-qualification en Ligue des Champions. Ten Hag a ajouté son grain de sel en le préférant comme remplaçant et la situation a fini par dégénérer. Le Portugais fait absolument tout pour s'en aller et disputer la fameuse C1. Si cet été, il n'avait pas pu partir, retenu par sa direction, la donne sera bien différente lors du prochain mercato hivernal. S'il n'est pas déjà parti par le biais d'une résiliation de contrat, le quintuple ballon d'or aura, cette fois, son bon de sortie. Et plus vite sera le mieux pour tout le monde. Mais pour aller où? Si les pistes Chelsea et Bayern sont en train de se refroidir, celle menant au PSG a également pris du plomb dans l'aile. D'après les informations de Ski Germany, faire venir la star est une vieille lubie des propriétaires qataris. Par le passé, il a déjà été question d'une possible arrivée, notamment en 2015 du temps, où CR7 susurrait à l'oreille de Laurent Blanc et saluait Nasser Al-Khelaifi avec insistance. Le club de la capitale cherche en plus de cela un attaquant pour cet hiver. Ronaldo pourrait retrouver la C1 et une équipe compétitive. Tout paraît réuni pour qu'un nouveau coup, plus médiatique que sportif, soit réalisé. Seulement, c'est sans compter sur celui qui maîtrise les rênes du mercato, Luis Campos. Selon le média, le conseiller sportif parisien a d'autres projets en tête, comme celui de travailler avec de jeunes joueurs, pas une énième star. Une rumeur tuée dans l'œuf donc.